Bienvenue dans le 7 minutes. Le deuxième congrès de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes à Abidjan. Les pathologies liées à l'urologie au centre des échanges. Le ministre des Transports a procédé à la remise officielle des clés des minibus estampillés labidjanais pour les communes d'Abobo et Yopougon. La CAN 2023 approche à grands pas. La mascotte de cet événement a été présentée à Abidjan le vendredi 7 juillet. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Cancer urologique, fistule obstétricale et développement des nouvelles technologies en chirurgie. Voici les sujets abordés lors de l'ouverture du deuxième congrès de la Société d'urologie de Côte d'Ivoire. Venus des quatre coins du monde, experts et chercheurs de la médecine urologique partagent leurs expériences pour le traitement des pathologies. L'innovation actuellement, c'est la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire ne pas faire de larges cicatrices et puis une récupération et une réinsertion rapide. Sinon, les maladies n'ont pas changé. Nous allons sensibiliser la population à consulter tôt, de telle sorte que de faire les diagnostics très tôt. Et maintenant, avec la technologie de maintenant, on peut guérir certaines maladies qu'on pensait incurables et en faisant le moins de morbidité, c'est-à-dire le moins de mal possible. Et les thèmes que nous abordons, notamment le cancer de prostate, c'est le premier chez l'homme qui a dépassé la cinquantaine. Et la plupart du temps, quand nous le rencontrons, ce sont des cancers qui sont au-dessus des moyens qu'on peut utiliser pour les traiter afin que les malades guérissent. Donc notre rôle, c'est de faire la sensibilisation, de faire en sorte que les hommes qui ont dépassé 45-50 ans, se fasse faire un dépistage par le dosage de l'antigène de la prostate qu'on dose simplement dans le sang pour avoir une idée. Cette synergie d'experts urologues et de chercheurs va nourrir l'évolution de la pratique médicale en Côte d'Ivoire. Ce deuxième congrès est parrainé par Jean-Louis Billon, par ailleurs président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. 15 nouveaux minibus estampillés labidjanais ont été remis aux transporteurs d'Abobo et de Yopougon le 7 juillet 2023. Entièrement montés dans les ateliers de la Société des transports abidjanais Sotra, en collaboration avec Iveco, la remise officielle des clés de ces minibus a été effectuée par le ministre Amadou Koné. L'opération pilote nous permettait de faire des tests sur donc l'acceptation du véhicule, sur la plateforme de remboursement, donc le niveau de remboursement, et nous sommes très satisfaits. Donc aujourd'hui, plus de 80% donc des transporteurs qui ont bénéficié des premiers véhicules sont à jour donc des traites qu'ils devront payer, et ceci nous encourage davantage. Donc l'opération pilote est achevée, donc nous passons vraiment à la phase de commercialisation tout azimut, aussi bien pour les transporteurs d'Abidjan que pour ceux de l'intérieur. Ces minibus visent à accroître la mobilité dans le Grand Abidjan tout en luttant contre l'insécurité routière et à professionnaliser le secteur des transports. Les transporteurs promettent d'en faire bon usage. Alors c'est le lieu pour nous de lancer un appel à tous ceux qui ont déjà eu ces véhicules et à tous ceux qui vont avoir ces véhicules pour qu'ils se conduisent de sorte à maîtriser les conduites, de sorte à respecter le code de la route, de sorte à respecter le client qui monte à bord du véhicule, de sorte à rembourser les prêts qui seront faits parce que c'est l'argent du contribuable. La mise en circulation de ces minibus est une initiative du ministère des Transports. Elle s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile ivoirien. Les maires de Côte d'Ivoire continuent d'être célébrés. La première dame les a honorés le jeudi 6 juillet à Adzopé. Elle leur a offert des dons d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de machines à coudre, de broyeuses de manioc, de réfrigérateurs, de fauteuils roulants, d'ambulances et de pagnes. Vous souhaitez de tout cœur être là pour partager ce moment de communion avec les femmes de la région de la Mée. Il est important pour moi de revenir ici pour vous manifester toute mon affection et vous dire combien je suis fière de vous. Comment ne pas mentionner vos actions pour le développement, le leadership et l'entrepreneuriat au féminin, pour promouvoir le droit de la femme que vous défendez tant
auprès de votre illustre époux et qui sont désormais inscrits dans le marbre de notre Constitution. Quand on voit le fil de votre action, on ne peut ignorer que derrière se cache une grande âme. En guise de reconnaissance à leur tour, les femmes n'ont pas hésité à offrir également des dons à la première dame. Des vivres et un tableau à l'effigie du couple présidentiel lui ont été remis. Le moment tant attendu est enfin arrivé. La mascotte de la CAN 2023 a été dévoilée. Il s'agit d'un éléphant nommé Akwaba. Il a été officiellement présenté aux Ivoiriens et aux Africains le vendredi 7 juillet au cours d'une cérémonie. Nous venons de le constater. Akwaba, notre personnage, notre éléphant en jette. D'abord par l'ambiance générale qu'il dégage. Ensuite, de par sa posture de calme détermination. Son regard est franc, comme vous avez pu le constater. Sa trompe levée au-dessus des défenses dressées, juste ce qu'il faut pour dissuader l'imprudent. Sa patte avancée se cale sur le ballon comme pour calmer le jeu et mieux le relancer. La chaleur des couleurs soutient la bonhomie ludique du personnage qui affiche une sympathie des plus conviviales. La mascotte Akwaba est désormais prête à accompagner les joueurs et les supporters tout au long de la compétition. Elle incarne une personnalité attachante, ambassadeur de l'hospitalité ivoirienne. Son énergie est censée être contagieuse, illuminant chaque instant de la compétition. Elle a été accueillie avec un grand enthousiasme. La mascotte traduit bien l'identité de notre pays. Pays d'espérance, terre de brassage, terre d'accueil, la CAF invite l'Afrique à venir en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvre les bras. Je suis très contente d'avoir pu voir la révélation de la mascotte. Donc Akwaba, bonne arrivée à Akwaba. Il est très énergique, on adore son énergie et puis on est vraiment fiers de pouvoir enfin mettre, un visage sur la mascotte officielle de la CAN 2023. Il est à noter que la mascotte représente un des éléments clés de l'identité visuelle de la compétition, ayant un fort potentiel marketing et d'attraction du public. La prochaine étape des préparatifs du COCAN est la présentation de l'hymne national. Voilà qui met un terme à cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette information.